de l'œuf ou de la poule, qui s'est raboulé le premier? De l'œuf ou de la poule, qui s'est raboulé le premier? Personne ne le sait. Et cette question nous prend le chou. Alors qu'au fond, tout le monde s'en fout. Mais de Ève ou d'Adam, qui était là avant? C'est déjà plus intéressant. Depuis la nuit des temps, les parents disent aux enfants, et Dieu créa l'homme, évidemment. Donc ça serait Adam. Mais depuis la nuit des temps, ben, on nous ment. Voilà ce qui s'est passé réellement. Un jour, Dieu créa la femme, une belle âme dont l'arme fatale était son charme. Il l'appelle Ève. Ève évolue seule. Quand le soleil se lève, Ève se réveille et va à ses occupations sans passion, sans conversation, sans personne à qui parler, sans personne à critiquer. Ève se fait chier. Elle se tourne vers l'être divin. Dis donc, tu voudrais pas me ramener quelqu'un? Et Dieu lui répond. Aussi immense que soit la terre, deux femmes ensemble, c'est la guerre. Il te faut un être complémentaire qui soit ton double et ton contraire. Donne-moi de moi et des poussières et je vais voir ce que je peux faire. De moi et des poussières plus tard, aussi brûlante qu'une cafetière, Ève vient au rencard. Dis donc, qu'est-ce que tu me proposes? Et Dieu lui répond, pas grand-chose. Non, je plaisante, c'était pour rendre l'histoire plus excitante. Tu vas voir, j'ai fait du bon boulot. Regarde-moi comme il est beau, intelligent et super grand. Qu'on le nomme homme ou bien Adam, il fait des miracles, il est costaud. Tu ne dormiras pas de si tôt. Devant tant de compliments flatteurs sur Adam, Ève inonde de bonheur. Mais garde les pieds sur terre au moment de signer le formulaire. Malgré ta belle description, tu ne cacherais pas un défaut de fabrication? Et Dieu lui répond, oui, tu as raison. Il y a un mais. Bien que très athlétique, l'homme est, comment dire, narcissique. Donc, éventuellement, si tu pouvais lui faire croire qu'il a été créé en premier, ça m'arrangerait. Ève accepta. Elle s'en alla. À ce moment, Dieu rajouta, surtout, surtout, ne révèle jamais la trame. C'est un secret entre nous, un secret entre femmes.